ici, des fins. Ah oui, parce qu'ils sont cons. Ça va tenir.
C'est réparable. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça les foule. Ok. Les primes. Oui. Là, un autre nid. Allez, au feu. Come on.
Bon, ça devrait marcher. Nico, cet homme que je traque, il a tué qui? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu payes pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Nico? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je demande? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Corde à ferraille. Voyons ce qu'on a ici. Servir. Bon, par où on avance? Une bécane. Le voilà! Casque argenté! Réservoir rouge! C'est lui! Oh putain! Qu'est-ce que...
cru que tu pouvais traverser le campement. Et tout mitraillé, c'est ça? Non, il y a des matos, on va casser. On fait un tour au supermarché. Pas fan non plus, pour tout te dire. Mais pour la réputée des drifters. T'imagines si t'avais flingué ma nuit, hein? Qui réparait ma moto, hein? Cette petite merde. Va te faire foutre! T'es un des larbins de Copland! Un putain de kleps! C'est tout ce que t'es! Un putain de clébard! Coupe, c'est fait. Tiens. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends? Il est en vie? Oh. Ouais, bien vivant. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il le restera. Terminé. Je l'ai dit. Dis-lui, Drifter! Appelle juste pour prendre des nouvelles. Ouais, nickel. Accroche-toi, Fondre. Dès que tu seras remis sur pied, on file vers le nord. Comme on avait dit. Ouais, c'est... Ça me manque grave de faire des motos. Concentre-toi sur ton rétablissement. Faut encore que je bricole la bécane et qu'on récupère du matos. On met les voiles dès que tu seras remis. Ok? Terminé. Ici Copland. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas vu de Boozer. C'est juste qu'il lui est arrivé de bosser pour moi. J'ai essayé de l'appeler, mais pas de réponse. Et comme tu roules avec lui... Bon, quand tu le verras, fais-moi plaisir. Dis-lui de passer dire bonjour à son vieux pote Cope. Merci, terminé. Ok, on y est. La vague sur le camp va grouiller le mutant. Oh non, 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 il vaut mieux laisser la bécane ici. Sinon, elle va rameuter tous les mutants à la ronde. Il y en a d'autres à l'intérieur. Ouais.
Alors, ça vous plaît, hein? Venez, bande de fils de pute, amenez-vous! Ça devrait faire un beau feu d'artifice. Ok, un nid de moins. Combien il en reste? Ok. Il doit y avoir un nid dans cette cabane. Qu'est-ce qu'on a là? Oh ouais, un nid. Ok les gars, continuez de pioncer. Faites pas attention à moi. Allez les mecs, c'est parti!
entrepôt. Ouais, le genre d'endroit où vous vous sentez comme chez vous, hein. Je vais vous réchauffer. C'était le dernier. C'est pas trop tôt. Bowser, c'est fait. Je me suis débarrassé de Ceni. Faudrait y avoir moins de mutants dans la montagne pendant un temps. Hey Dick, comment ça s'est passé? Ils étaient nombreux? Non, ça allait. C'est pour ça que je voulais m'en occuper de nuit. Cela dit, certains étaient carrément balèzes. Ouais, le froid allait au plus fort. Mais je t'apprends rien. Ouais, Bowser, je le savais déjà. En tout cas, merci. Merci de faire tout ça, Dick.
Allez, repose-toi, Boozer. Terminé. Ça doit le faire. C'est réparable. Ouais, ça va tenir. J'ai déjà vu ces enfoirés. Je dois m'en débarrasser. Toi. Ça va plus planter les gens dans le dos, hein? C'est ton kiff, pas vrai? Hmph!
On n'aura plus besoin. Vous êtes combien ici? On s'en fout, vous êtes tous morts. Demi-tour! Repli! Il faut bien que tu t'arrêtes un jour! Hé, trou nuque! Pardon! Voilà. Il n'en reste qu'un. Voilà. Terminé. Alors, ça vous plaît de vous faire défoncer? Vous aimez ça? Un putain de tueur de merde. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. On se croirait à nouveau à l'époque du Far West. Il y en a qui agissent comme si les lois n'existaient plus. Mais autant que je sache, on est toujours aux États-Unis d'Amérique ici. Et en Amérique, le droit de propriété ne peut pas être bafoué. On a le droit de conquérir un territoire, de le garder et de le défendre. D'accord, on a volé cette terre aux Indiens, pas besoin de rabâcher l'histoire. Mais on l'a prise par la force. Et maintenant, on n'en partira que par la force. On va pas se mettre à plat ventre devant une bande de brutes. Si les fédéraux, les rippers ou les maraudeurs croient qu'ils vont pouvoir débarquer la bouche en cœur sur mon territoire, ils se foutent le doigt dans l'œil. Les plus forts survivront, les plus forts prendront et les plus forts vaincront. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Oh, bon sang, Cope. Cette histoire... Un bon cœur. Ouais, il devait en avoir un. Il suffit de le trouver.
Et voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Une carte. Bien. Un plan de fabrication. Je prends. Je vais juste fermer un peu les yeux. Oh, allez, c'est parti.